Ok, Artyom, je vais grimper là-haut pendant que tu rejoins l'église en barque. Je te recontacte dès que je suis installée. Je te dis merde. À l'église. Personne ne semble armé. On peut tenter une approche directe. On attend avant de tirer, compris ? Que la paix soit avec toi, voyageur. Notre Saint-Père Silentius a commencé son sermon. Entre dans le temple et vois la lumière de la vérité. Notre peuple est pacifique, alors rengaine ton arme, s'il te plaît. J'ai du mal à y croire. J'avais perdu tout espoir. On n'est pas d'ici non plus. Silentius nous tient enfermés ici depuis un an. Oui, c'est vrai que les gens du comte ne parlent pas aux hérétiques. Mais je vous raconterai absolument tout ce que je sais sur cet endroit. Oh, c'est la garde du pont. Silentius les a bernés comme les locaux, mais contrairement à eux, la garde est armée. Cours, il y a une sortie en bas. Une barque t'attend près du quai. On en a une aussi, mais elle est trop petite pour nous trois. Artyom, elle a raison. Cours par là-bas. On la sauvera plus tard, t'inquiète pas. Allez, on va rejoindre votre train d'arrivée. Où est cette hérétique?
dans une barre, pendant le sermon. Oui, continue. Eh bien, il était là et puis il a disparu, comme l'avait prédit le père Flanquin. Le diable qui nous a envoyé cet homme. Oui, je sais. Je sais ce que tu fais. Je veux savoir où il est parti. Je le sais comme... Vous voyez ? Sur les ciels ! Il y a quelqu'un ! Le jour de ton jugement est arrivé. Où est-ce que tu peux bien te cacher, espèce d'animal impie?
juste. Le destin de Dieu est fidèle, car il est notre seul protecteur devant la colère de Dieu. Tu vénères le diable ? C'est vrai ? Tu veux bien m'apprendre ? Je serai un bon élève, un très bon élève. Allez, apprends-moi ! S'il te plaît, pourquoi tu parles ? Attends ! C'est toi ? L'hérétique ? Allez, tue-moi ! Vas-y ! Je veux juste que tu... Artyom ! Par ici ! C'était quoi ça ? Une baleine ? Oh merde ! C'est énorme ! Le vieux m'a envoyé en sentinelle. Il m'a dit de pas bouger et de n'intervenir sous aucun prétexte. Alors j'étais aux premières loges pour profiter du spectacle. Je t'ai vu soumettre tranquillement les forces d'occupation avec une sainte croix et une prière. Anna nous a déjà raconté pour la secte. Pourquoi on n'échangerait pas ? Je voudrais pas revenir à Moscou sans avoir tiré une seule balle. On avait des vues sur la même fille avec un vendeur. Ah, c'est pas de bol. Pourquoi c'est moi qui me tape toujours le sale boulot ?
Le colonel n'arrête pas de te critiquer, mais c'est toujours à toi qui confie les bonnes missions. C'est sa façon de te témoigner son affection ou il essaie juste de te faire tuer? Mais j'avoue que ça me plaît moyen. On m'a traîné en dehors de Moscou et pourquoi? Alimenter la chaudière et rester planté dans un marais avec une longue vue. Revoilà Artyom, la terreur. Tu es vivant. Merci pour les renseignements, Katia. Mais il me reste une question à te poser. Mais bien sûr. Qu'est-ce que tu sais sur les forces d'occupation? Hein? Ah, je suis désolée, je vois pas de quoi. Donc, tu n'as jamais vu d'armée étrangère dans la région? Non, j'ai vu aucune armée. Et on n'a pas beaucoup bougé. Artyom, commence par aller voir le colonel, mais ensuite reviens voir. Artyom, t'as une minute? Merci, Artyom. Sans toi, on n'aurait jamais pu sortir de cet endroit. Ça fait diversion et ensuite t'as même de trouver. T'as fait du bon boulot en les sauvant, Artyom. Katia nous a fourni des infos vitales. Un mécanicien appelé Crest se cache dans le port. On aura besoin de son aide si on veut réparer l'Aurora rapidement. Yermak n'y arrivera pas tout seul. Quand tu seras prêt, rends-toi au port, invite Crest à nous rejoindre et revenez au plus vite. On va devoir décider de ce qu'on fait de ces fanatiques sur le pont. Maintenant, on sait que le pont est en parfait état de marche. Ils l'ont traversé l'année dernière en venant ici. Bon, au moins on commence à y voir plus clair. Mais il nous reste encore beaucoup à découvrir. Il doit même pas y avoir de troupes ennemies ici. Ils ont dû installer des garnisons uniquement dans les régions stratégiques. Une chose est sûre, c'est à Yamantaou qu'on obtiendra nos réponses, à la source. Pour faire simple, le gouvernement moscovite n'est rien d'autre qu'un conseil régional. Donc pour l'instant, il nous reste plus qu'à trouver un moyen de traverser ce foutu pont. Oui, oncle Artyom. Merci.
Qu'est-ce que tu penses du sac à dos? Il est confortable? Tu peux quand même la jouer furtif. J'ai un petit cadeau pour toi. Un fusil Ticar. Ça te parle? Il est pneumatique, mais il en a quand même dans le ventre. En plus, c'est un jeu d'enfant de fabriquer ses balles, même sur le champ de bataille. Veille juste à maintenir une pression assez élevée. Sinon, autant cracher les balles avec la bouche. À part ça, tu seras jamais emmerdé. Je l'ai bien bichonné. Fais-lui honneur. Et pense à venir me voir de temps en temps. J'ai déjà des idées pour l'améliorer. Quand je te disais que tu avais la chance de m'avoir. Bordel! Qu'est-ce que je vais te faire pouvoir faire? Bonjour, Artyom. Artyom, sur toi, tu t'es débrouillé comme un chef. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Alors, Artyom, tu vas au port? J'ai vu personne là-bas. En tout cas, aucun humain. Pourrait remplacer le piston. On a tous de la chance d'avoir Anna. Il n'y a pas de meilleur sniper. J'espère que ton enfant pourra nous accompagner avec un vrai médecin. Mais rien ne pourra nous arrêter. Aura suffi à les mettre suffisamment en run pour qu'ils me prennent en chasse. J'ai dû bricoler des cachettes un peu partout. D'ailleurs, c'est assez pratique. On ne sait jamais ce qui peut arriver la nuit. Je connais le secteur comme ma poche maintenant. Ça vole des toits. Il va y avoir une sorte d'entrepôt militaire dans le temps.
Mais je vais jamais aller à l'intérieur. C'est vrai qu'il renferme des produits chimiques. Abby, il y a cette grande bâtisse, de l'autre côté du canal. Elle a l'air abandonnée depuis longtemps. Peut-être encore quelque chose d'intéressant dedans. Mais je ne peux pas la rejoindre sans barque. Il faudra que je le médie au plus vite. Bref, Abby suit son cours. Voilà les dernières nouvelles du front.
t'es débrouillé comme un chef, Bratouka. C'était très impressionnant. Ces mutants sont coriaces. Les villageois ne peuvent rien contre eux. Mais toi, tu les as littéralement décimés. En tout cas, enchanté de te rencontrer. Moi, c'est Crest, au fait. Tu viens du train? Les villageois n'ont même pas voulu vous parler, je parie. Ils ont immédiatement ouvert le feu, pas vrai? Évidemment, quelle bande d'abrutis. Depuis le temps que je suis là, je connais la chanson. C'est une vraie secte là-bas. Ces crétins sont convaincus que la technologie a causé la destruction de l'ancien monde. Alors ils sont jamais bien tendres avec les gars futés. Et moi, ils voulaient m'emprisonner jusqu'à ce que j'accepte de combattre leur prétendu démon électrique pour me faire pardonner de mes péchés. Parce que, tu vois, je suis de mèche avec Satan, il paraît. Je suis une sorte de sataniste. J'ai réparé des moteurs et fait du commerce toute ma vie. Mais j'ai décidé de partir vers l'Est. J'en ai ma claque de cette région, j'ai plus rien à y faire. Les villes ont disparu, ça grouille de bandits et de créatures, et c'est grand de l'autre côté de la Volga. Y a de quoi faire. Donc, je suis venu ici avec ma drésine pleine de marchandises, en espérant en vendre un peu en chemin. C'était une belle connerie. J'ai eu de la chance de m'en sortir vivant. Enfin bref, depuis votre arrivée, j'ai repensé à ce plan que j'avais imaginé, mais que je peux pas mettre en œuvre tout seul. Alors, comme vous aussi, vous allez vers l'Est, d'après ce que j'ai pu voir avec mes jumelles, c'est vraiment un miracle que votre moteur fonctionne encore. Ah, au fait, tiens, prends les jumelles, je vais t'indiquer ce qu'il y a dans le coin. Commence par le pont. Tu vois la section en haut? Elle doit se baisser si le mécanisme d'urgence fonctionne encore. Katia de l'église en saura plus que moi. Je suis jamais allé jusqu'au pont, personnellement. Là, sur la droite, cet énorme hangar, c'est le terminus. Les fanatiques en ont fait un lieu de culte. Ils l'ont recouvert de graffitis. C'est là que vit leur poisson de tsar. Bande d'abrutis. Encore plus à droite, tu vois le bâtiment près des wagons? C'est un ancien dépôt de train. Il est occupé par les bandits maintenant. Mais l'endroit n'est pas si mal. La zone d'à côté n'est pas mal non plus. C'est un bon coin de chasse. J'ai installé plusieurs abris dans le secteur. Si tu les trouves, tu pourras te reposer, réparer ton matériel. À moins que tu préfères dormir à la Belle Étoile près d'un feu de camp. Allez, je vais te montrer ma maison maintenant. Bienvenue dans ma grotte. Et voilà où... Mais... Oh, il y a un lit. Alors si t'es fatigué, sache que tu es ici, chez toi. Je me suis fabriqué un établi pour bricoler. S'il te faut des munitions ou des grenades, tu trouveras de quoi en faire. Tu peux te servir. Prends tout ce que tu veux. Je pourrais pas transporter tout ce merdier de toute façon. Allez, sois pas timide. En tout cas, t'imagines pas que je suis juste une belle gueule. J'ai amassé un paquet de connaissances là-dedans. Et regarde ces mains. Elles savent tout réparer. Vous allez pas regretter de m'avoir dans votre équipe. Des clopes aux villageois avant que ces cul me foutent à la porte. Ma lampe n'a pas plu à ces abrutis. C'est à cause de ça qu'ils m'ont banni du village et du pont. Je te conseille quand même de t'en prendre à eux. Ce sont des pauvres gens à qui on a lavé le cerveau. Mon arrivée a dû leur coller les jetons. Je suis prêt à parier qu'ils ont cru que c'était le jour du jugement dernier qui était arrivé. Tu peux te faire.
Artyom, je t'ai entendu m'appeler. J'étais si bien là-bas. Mais je t'ai entendu. Et je pouvais pas t'abandonner. Thank you.
Ça va pas, Anna? Bordel de merde. Sam, il faut prévenir les autres pour la retrouver. Les gars! Dites rien à mon père, les gars. Je suis contente qu'Artyom m'ait retrouvée. Ah, c'est quoi cet endroit? T'as vu les marines? Ça doit être des produits chimiques. Cet endroit doit servir d'entrepôt ou de décharge. Et cette chemise a pu être mise là par les locaux. Merci, mon amour. Ok, bon. Artyom, on essaie de la relever? Pas question. Je peux marcher toute seule. Je dois juste me reposer un peu, et ça ira. Le vieux doit être en train de péter les plombs. Il doit s'imaginer que sa fille chérie est blessée, ou je sais quoi. Papa, c'est moi. La batterie de ma radio est morte, elle a pris l'eau. Mais sinon, tout va bien. Artyom et les gars sont avec moi. Anna! Oh, un jour, tu vas faire avoir une crise cardiaque. À ton retour, tu seras mis aux arrêts, je te dis. J'imagine qu'on va devoir repartir. Pour aller où? C'est pas net. Bonjour, Artyom. Très bien. Bienvenue à bord. Peut-être que... Merci. Je ne décevrai pas. Hé, hey, Artyom. T'as vu comme tout s'arrange? Viens voir, Artyom. Assieds-toi. Écoute. On a une chance de traverser le pont sans attaquer. Des caravanes de vendeurs remontent le fleuve, et les gens du pont font affaire avec eux. Donc, en se déguisant en vendeur, on pourra infiltrer le pont et le baisser. Katia dit qu'il fonctionne encore. Ils pourront rien faire si on agit vite. Et quand bien même, on traversera ce pont, que ces fanatiques le veuillent ou non. Ils veulent du sang? Eh ben, ils vont en avoir. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre la caravane de vendeurs. Colonel, monsieur. On ne peut pas les abandonner ici. Elles n'ont pas la moindre chance. Stéphane, t'as déjà essayé de réfléchir? Est-ce que tu réalises où on va? Et ce à quoi on va être confronté en chemin? Et dis-moi, où est-ce qu'elles vont dormir sur l'Aurora? Au-dessus du charbon? Nous, les Spartiates, on peut supporter. Mais pour une femme, et sa fille de 6 ans en plus, c'est proprement intolérable.
Je leur laisserai mon matelas et j'irai dormir près de la chaudière. Tu t'endormiras pendant ta garde et tu te feras trancher la gorge à la première occasion après lui là-bas. Mais on ne peut pas les abandonner. On n'a qu'à récupérer ce wagon dont nous a parlé Katia au lieu de ne rien faire. On ne peut pas laisser la petite. Et puis combien de temps encore on va devoir se relayer pour dormir? Tu recommences avec ça? Comment, hein? Comment est-ce qu'on va récupérer ce wagon? J'emmènerai pas l'Aurora là-bas. Ah, ce sera pas la peine. J'ai caché une draisine au terminus. Elle pourra tracter un wagon sans aucun problème. Artyom et moi, on peut aller la chercher et ramener le wagon. Non, t'iras nulle part. On en a pour la nuit si on veut finir de tout réparer. Et tout seul, je pourrais pas le faire dans les temps. Ok, ok, comme vous voulez. J'en ai assez de passer pour le méchant. On récupère le wagon, on emmène les civils avec nous. Artyom, tu peux t'en occuper. Artyom, écoute. Si tu vois la caravane, tu abandonnes tout et tu fonces jusqu'au port. C'est notre meilleure chance de traverser le pont. Merci, papa. Katia et Nastia seront tellement contentes. Tiens, Artyom, c'est un disjoncteur pour la draisine. Ça marchera pas sinon. C'est une vraie petite merveille, et je pèse mes mots. On a vécu des moments forts, elle et moi. Elle a transporté tellement de choses, et elle m'a sorti de tellement de situations délicates. Bon, Artyom, comme tu vas te rendre au terminus, écoute-moi bien. C'est pas la porte à côté. Et, bon, si t'y vas la nuit, t'auras moins de chances de tomber sur des bandits. Ils quittent pas leur camp quand il fait noir. Mais ça sera pas plus simple pour autant, puisqu'il y aura plus de monstres. Et bravo pour avoir convaincu le vieux. Regarde mon installation. J'ai enfin réussi à tout organiser. Un véritable établi avec assez de place pour tous mes outils. Tu peux nettoyer tes armes et fabriquer des munitions ici, comme avec tous les autres établis que tu trouveras. Mais tu n'auras accès à mon atelier que sur l'Aurora. J'y stockerai toutes les armes que tu trouveras et tu pourras les échanger à tout moment. Elles seront bien sûr réparées, huilées et propres comme un sous-neuf. Mais tu devras t'occuper des accessoires tout seul. Un jour, je ferai de vous tous des armuriers qualifiés. Écoute, Artyom, j'ai un truc pour ton Tikar. Tu peux essayer de l'installer. L'établi est là pour ça. Bon, je vais pas te retenir plus longtemps. Anna, merci à toi et à Artyom de nous avoir aidés. Je ne sais pas ce qu'on serait devenu sans vous. Cet endroit est un cauchemar et ce Silentus est horrible. Attends que tout soit réglé avant de nous remercier. C'est à Artyom de jouer maintenant. Alors souhaite-lui bonne chance. Bien sûr. Que Dieu te bénisse, Artyom. Et toi aussi, s'il te plaît. Artyom, tu prends au terminus ? Artyom, Nastia voudrait te demander quelque chose. Vas-y, Nastia. Oncle Artyom, tu vas retrouver mon nounou? Tu vois, c'était pas si dur. Il y a des démons qui ont élu domicile sur ces réservoirs près du terminus. Tu pourrais pas regarder si sa peluche est pas sur l'un d'eux? Je sais que ça peut sembler ridicule, mais c'était un cadeau de son père, et elle veut pas partir sans lui. Écoute, j'aurai une dette envers toi si tu y vas. Oh, prends pas trop de risques, hein. Encore une chose, j'ai entendu quelqu'un jouer de la guitare vers cette tour. Elle sonnait bien, le guitariste. Une vraie catastrophe. Bon, je sais que c'est dangereux et tout ça, mais si l'occasion se présente, essaie de la récupérer. Hé, hey, vous avez fini d'utiliser la fréquence principale pour les messages personnels? Il a déjà une mission, alors laisse-le tranquille avec ses conneries. Oui, colonel, on avait fini. Ah, je suis trop coulant avec vous. Allez, repos, terminé. Thank you.
T'as gagné, l'ami. C'est pas mon jour. Je vous le dis, carrément pas.
barque est vraiment pratique. En fait, c'est de loin ce qui m'est le plus utile. Bien sûr, je me suis fait quelques frayeurs avec ce poisson-chat, mais c'est encore plus dangereux sur la terre ferme. Les bandits semblent bien décidés à virer les fanatiques du pont. Ils ont installé des camps partout. Au dépôt de train, dans les ruines à côté, même sur le pylône électrique. Et ils plaisantent pas. Les habitants du pont tombent comme des mouches.